Eh bien bonjour à tous, c'est BlueGMod, et avant de commencer le tuto que j'ai prévu pour aujourd'hui, je tiens tout de même à vous demander quelque chose. Vos demandes de tuto, vous pouvez les faire sur Facebook ou sur Twitter, comme je l'ai dit, arrêtez de les faire sur YouTube, parce que la plupart du temps, je ne peux pas commenter sur YouTube, je vous le rappelle quand même. Ce qui fait que je ne peux pas vous demander plus de précision. Bon là, pour le tuto d'aujourd'hui, j'ai pu commenter. Cela dit, je ne peux pas tout le temps le faire. Donc, le plus simple, pour moi j'entends, c'est que vous venez sur le forum de Stargate SGE, donc là vous voyez, vous avez l'adresse, vous inquiétez pas, de toute façon elle est dans la description, hein, pour ça il n'y a pas de problème. Vous allez dans ma partie, donc WillyGMod demande de tuto, donc tuto WillyGMod, voilà, de là, vous allez dessus, donc là, et donc là vous voyez toutes les règles qu'il y a. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis WillyGMod, dans cette section vous pouvez me faire vos demandes de tutoriel sur GarrysMod. Veuillez remplir le formulaire suivant pour que je puisse me retrouver. Bah oui, c'est normal. Hein. Donc, donc c'est juste en fait 3 points. 3 points. Vous mettez juste dans votre demande 1-2-3. Donc, votre pseudo pour que je puisse vous citer dans la. Dans la vidéo, ce qui est normal. Et ainsi que le lien de votre chaîne YouTube. Alors, c'est si jamais vous en avez une, si jamais vous avez le lien d'une chaîne Facebook ou d'un truc comme ça, vous pouvez le mettre aussi. Hein. Bah, cela dit, ne me mettez pas YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Non, faut pas déconner non plus. Juste une chaîne, ça suffira. Donc voilà, donc pour le premier point, c'est ça. Le deuxième point, veuillez faire votre demande de tuto aussi clairement que possible. Donc essayez de m'expliquer bien toutes les étapes que vous voulez. Hein, donc voilà, et si possible, essayez de bien vous exprimer. Et donc le troisième point, si jamais vous avez des demandes particulières en rapport avec ce tuto, donc admettons, fait de l'oxygène, mais n'utilise pas le machin qui produit directement de l'oxygène. Voilà, c'est ça que j'entends par faire une demande particulière concernant votre tuto. Donc voilà, ensuite, chaque demande tutoriel est différente. Alors voilà. Donc chaque tuto doit avoir une discussion différente. Alors pour ça, je m'explique, parce que apparemment ça n'a pas été très très bien compris. Donc quand vous arrivez dans cette partie, si jamais vous voulez me faire une demande de tuto, vous allez dans Nouvelle discussion. Vous cliquez dessus, ne rajoutez pas un truc à la suite de mon bordel, donc à la suite de mon pavé là. Non. Allez dans Nouvelle discussion. De là, vous tapez le sujet. Donc vous voyez, admettons, CD, voilà. Ici, vous tapez votre message, donc avec le 1... Merde, quel con. Le 1, tiret. Merde, quel con. Le 2, tiret. Le 3, tiret. Et voilà, moi, je demande pas plus, en fait. Hein. Alors bon, pour poster sur le forum LGE, bien sûr, il faudra vous inscrire. Mais dites-vous que si jamais vous vous êtes inscrit une fois, vous n'aurez pas à le refaire. Et là, vous pouvez discuter avec moi. Vous pouvez me faire vos demandes de tuto. Vous pouvez discuter dans les autres parties. C'est souvent que je regarde les autres parties, si jamais il y a des trucs. Donc, n'hésitez pas. Hein. Mais enfin, bon, ne faites pas comme Stargate Dial. Oui, excuse-moi de te citer, mais bon, t'es le seul que j'ai sous le coude en même temps. Voilà. Il m'a fait une demande de tuto, RoroG2, alias Stargate Dial, chaîne YouTube. Donc voilà, il a mis le lien de sa chaîne, c'est très bien. Je voudrais, si possible, que vous fassiez un tuto sur comment équiper le Props Attack avec système classique de vaisseau, système de vie, arme Jaffa, bouclier, anneau. Alors, je lui ai dit clairement que le Props Attack est impossible à manœuvrer, il est trop énorme et il est buggé à mort. Et donc, comme je lui ai rajouté, merci de respecter les règles et donc d'ouvrir une nouvelle discussion pour ta demande de tuto. Voilà, c'est tout. Donc, pour faire une nouvelle demande de tuto, je le rappelle, vous allez... ne vous inquiétez pas, hein, même si jamais vous spammez la discussion, c'est mon topic, ça. Vous emmerdez pas. Si jamais vous voulez faire une demande de tuto, vous cliquez sur nouvelle discussion, peu importe le nombre de nouvelles discussions, je m'en fous. Mais ouvrez une nouvelle discussion et expliquez-moi clairement quel est votre tuto. Parce que moi, le souci que j'ai sur YouTube, c'est que malheureusement, je ne peux pas répondre à tous les commentaires, ce qui m'emmerde. Des fois, il y a des commentaires qui sont très très constructifs, que je souhaite répondre, mais malheureusement, le petit onglet répondre n'y est pas. Ce qui est un peu un gros problème. Donc, c'est pour ça, en fait, que je réponds pas à des commentaires sur YouTube. C'est pas par manque de mauvaise volonté ou qu'on a comme ça. C'est uniquement parce que je ne peux pas. C'est tout, tout simplement. Donc, je vous le rappelle, si jamais vous voulez faire une demande de tuto, donc, vous vous inscrivez sur le forum de Stargate SGE, vous allez dans la partie tuto WillyGMod, vous faites nouvelle discussion, vous entrez votre sujet, donc le sujet en général, ce sera plus la demande de tuto en question,
Et donc là, avec le 1, le 2, le 3, vous pouvez voilà, vous pouvez mettre d'autres trucs dessus, hein. Je dis pas que ça va être une rigueur militaire non plus, mais voilà, essayez de faire un petit peu attention, enfin attention, non, clairement, même si jamais, pardon, vous écrivez en langage SMS, je pense que je devrais comprendre. Cela dit, évitez de le faire, hein, parce que des fois, le langage SMS, bon, c'est pas très compréhensible. Même des fois, quand tu le lis, tu te demandes comment on sait. Alors, il y a des fois les 4, c'est des fours, il y a des fois les 2, c'est des doses. Bon, voilà, faut pas déconner non plus. Donc, essayez d'écrire le plus correctement possible, mais surtout, essayez de faire en sorte que votre demande soit correctement expliquée. Voilà, mes amis, on se retrouve tout de suite pour le tuto sur Garry's Mod avec peut-être quelqu'un. Mais hey, si j'ai ma connexion, tiens, évidemment. Je vous dis donc à tout de suite. Eh bien, chers amis, je suis en compagnie de Muscada. Bonjour, Muscada. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de te marrer, c'est pas drôle. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit? On n'a pas compris là. Et t'as fini de te marrer? Oui, qu'est-ce que t'as à te marrer? Qu'est-ce qu'elle a à se marrer? Muscada! Hein? J'étais en train de penser À quoi? à toi, Kiran. Oui, bah à moi qui râlais en même temps, Qui c'est fait pas étonnant, parce pomper. qu'il faut savoir que ce tuto, je l'ai déjà tourné en fait. Sauf que je l'ai tourné sans que Frappe soit allumée, donc bah bien sûr, ça a moins d'effet, hein. C'est moi ce que j'en dis. Donc, le tuto, mes amis, aujourd'hui, il va m'être demandé par Melinette62. Et le tuto, c'est de faire une base, donc une base avec de l'oxygène, avec de l'énergie, évidemment, hein, mais surtout avec un hologramme de planète. Donc, je vais vous faire ça. Donc alors, étant donné que je l'ai déjà fait, maintenant je sais comment faire. Hein, bon, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On est aussi en compagnie de la fille de Muscala. Bonjour la fille de Muscala. Voilà. Salut! Oh mon dieu. Donc, on se prend ceci. Landing platform. Qui est le machin le plus grand que j'ai trouvé jusque-là. Faut pas que je me fasse tuer. Faut pas que je me fasse Bon, après, si je m'étais fait tuer, c'est pas mon problème, c'est plus le tien. tuer. Si je atterris dans le temple. Ouais, alors, c'est bien d'atterrir dans le temple. Non, je vais aller chercher des. Parce qu'il faut savoir que Muscadet est en train de jouer sur un serveur, hein, en même temps que je fais cette vidéo. Donc voilà, vous mettez une 2, donc le 2 ici et dans la description, je vous rassure. Pouf! Voilà! Vous avez votre magnifique E2 de planète où il y a à l'intérieur votre base. Donc jusqu'ici, c'est très bien, ça marche, impeccable. Alors ensuite, une fois que vous avez ça, donc bien sûr, vous soudez le tout, hein, vous connaissez moi et ma fameuse technique de soudage. Hop, c'est bon. Ensuite, ce que vous allez dans CAF. Donc, vous prenez un ressource node que l'on peut coller ici. Parce que oui, il n'y a pas de raison qu'il soit ailleurs. Ouais, mais s'il flotte un peu dans le vide, c'est moche. Bon, voilà, on va le mettre là. Hop, voilà, à peu près au milieu. Et donc, mes amis, pour avoir de l'énergie, sans forcément avoir besoin de consommer quoi que ce soit, ni même en faisant du bruit, nous allons utiliser un générateur qui se sert du vent pour fonctionner, à savoir ce bordel-là. Donc voilà, alors on va en mettre pas mal, comme j'avais fait tout à l'heure. Je crois que ta fille réclame des couches. Pas trop pourquoi, mais bon, admettons. Muscada? Mamie a fait dodo. Muscada? Oui. Ah ouais, je croyais que tu m'entendais plus. Donc voilà mes amis, déjà là on a tout Ah. notre... Hein? T'avais dit un truc? Oui, j'avais dit un truc, mais bon, laisse tomber, c'est pas très grave. Donc comme vous voyez, ma connexion est assez C'est mauvaise. pas grave, je réécouterai le tuto. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, si cette fois-ci je l'enregistre, bien sûr. Hop, et hop. Voilà, déjà, comme vous le voyez, nous avons 80 465 d'oxygène. Donc, autrement dit, plus que la dernière fois. Je les ai un peu plus rapprochés, j'ai l'impression, mais enfin, ça marche tout aussi bien. Hein. Alors, pour éviter que la base bascule
sur l'arrière, comme ça a fait juste avant. Vous allez dans Outils, vous prenez Propriétés physiques, vous sélectionnez le matériel papier et vous n'activez surtout pas la collision. Hop. Et hop, comme ça, tout ça, c'est bon. Alors bon, il y a des risques que je crache. Hein. Ensuite, vous allez dans CAF. Vous prenez un générateur d'oxygène, un oxygène compresseur. Donc vous prenez le générateur Hugues. Voilà, sélection indienne. Hop, vous mettez ça ici. Donc, je vous rappelle la petite astuce pour en avoir trois fois plus. Elle est extrêmement simple. On va dans Wire, on prend une constante value, hop, le nombre, donc admettons, moi pour multiplier l'oxygène par 3, je mets donc 3, hein. Hop, voilà, on le met dessus, ou pas dessus, c'est comme vous voulez. Voilà, l'important, c'est qu'avec le Wire Advanced, on fasse au multiplier. Ici. Voilà, comme ça, ce machin-là produira 3 fois plus d'oxygène. Ce qui est parfait, hein, clairement. Donc, je me suis perdu. Ta fille me perturbe, Muscada. Ouais. Hop, voilà, comme ça, tout ceci est connecté. Si jamais je l'allume, vous voyez que mon énergie ne descend pas. Ce qui est parfait. Voilà, ensuite, pour stocker tout cet oxygène, il va vous falloir, donc, dans Storage Device, des larges tanks de oxygène, tanks, hein, comme vous voyez. Hop, alors, pouf. Voilà, ça peut toujours servir d'en avoir plusieurs. Si jamais vous tombez en rade ou si jamais on vous détruit ces trucs-là, au moins vous avez un tout petit peu de quoi faire. Vraiment un tout petit peu, parce que ce truc-là contient que 52 144. Donc autrement dit, il y aura environ 300 000 pour le tout, à peu près. Donc, on relie tout ça à ceci. Donc voilà, quand on le met en marche, vous voyez que ça se remplit. C'est vachement bien au passage. Par contre, je me demande si je peux pas le. Attendez, j'essaye. J'essaye quelque chose que j'ai pas fait tout à l'heure. Si jamais j'en produis 10 fois plus, est-ce que ça fonctionne tout aussi bien? L'énergie reste constante, visiblement. Et donc là, comme vous voyez, ça produit beaucoup plus. Mais vraiment beaucoup, beaucoup plus. Ouais, l'énergie a l'air de rester constante, donc bah, du coup, on va rester à 10 fois plus. Hein. Hop. Donc ça, déjà, c'est bon. Vous avez votre oxygène. Alors, bien sûr, pour que l'oxygène soit diffusé, vous allez dans CAF. Vous prenez Environmental Control. Donc voilà, Air Exchanger. J'espère que c'est ça. Vraiment, j'espère. Donc vous prenez Large Air Exchanger, ce que j'avais pas pris tout à l'heure, je viens de me rendre compte. Donc vous le mettez où vous voulez. Donc moi, admettons, hop, je vais le mettre ici. Hop, ensuite, donc, le Smart Link Tool, ce machin-là, on le relie à ça. Et donc ce truc-là, quand on l'allume, vous voyez que l'oxygène continue à augmenter et que malgré tout, ceci reste fonctionnel. Donc clairement, normalement, quand on va dans l'espace, on peut respirer. Donc voilà, alors on peut respirer, ça c'est chouette, mais il nous faut aussi du chauffage. Et donc, le chauffage, on va le trouver dans ce truc-là. Large Température Exchanger, ce machin-là, on peut le foutre ici aussi. Par contre, merde, ça requiert de l'eau. Ça requiert de l'eau, ceci va me poser un problème. Ouais, ça requiert de l'eau et ça me fait chier parce que de l'eau j'en ai pas. De l'eau j'en ai pas, donc mes amis, si jamais vous êtes en solo. Alors attendez, j'essaie de réfléchir à. Ah ben non, je suis con moi. Si, bien sûr, de l'eau on peut en avoir sans le moindre problème. Donc voilà, ce truc là, on va. Hop, pouf, pouf. Voilà. Alors, donc ensuite, ça c'est bon. Alors vous remarquez que pour le moment je n'ai pas d'eau. Hein, cela dit, ça va changer, ne vous inquiétez pas.
Donc, ensuite, pour accéder à votre... À votre, comment dire... votre... bah merde, votre base, quoi. Vous allez dans Porte des Étoiles, donc, déjà, vous pouvez faire la rampe des anneaux, hein, plateforme d'anneaux. Voilà, donc on va essayer de la faire pareil que tout à l'heure. Hop, vas-y, viens là. Donc, hop, voilà, on met ça là. Un peu plus par ici, si possible. Faire en sorte que ce soit à peu près droit. Voilà, merci. Donc, bien sûr, ce machin-là, on le soude. C'est normal. Ok, ensuite, on met des anneaux. Donc, admettons les anneaux des anciens. Ici, on met un cadran ancien. Et donc, voilà, déjà, on peut accéder à notre base par ici. Ensuite, bien évidemment, on se met la porte. Hein. Ça va de soi, c'est normal. Donc, la porte, rampe animée, s'il vous plaît. Voilà, celle-ci. Alors, j'aimerais bien être droit, quand même. Ce que je ne suis pas. Ouais, là, c'est bon, je le suis. Oui, je suis dedans, mais c'est pas grave. Hop. Voilà, on a notre jolie rampe, qui est toute droite, comme vous pouvez le voir. Donc, la rampe, bien sûr, on la soude aussi, ça va de soi. Et donc, sur cette rampe, on met la porte. La fameuse porte des étoiles. Donc voilà, cette porte, on la soude également à ça, mais on fait aussi en sorte que il n'y ait pas de collision entre la porte et la base. Comme ça, il n'y a aucun risque que la base se désintègre. Donc voilà, donc clairement, tout ça, c'est bon. Alors, maintenant, ce que je vais faire... Oui, il y a ce truc-là hein, qui fait un bruit du tonnerre de Dieu. C'est pas très grave. Donc voilà, maintenant, ce que je vais faire, on va se prendre un... storage device, un ressource cache, on va se prendre un Levi canister, donc ce gros truc là. Alors pour ceux qui comment dire, pour ceux qui donc qui ont une source d'eau à proximité, vous pouvez donc pomper l'eau avec une pompe à eau. Moi, clairement, ce que je vais faire, c'est la technique dite de la feignasse profonde. À savoir, on se prend un ressource node, on le met là. Hop, donc ce truc-là, en fait, nous produit de tout en masse. C'est pas compliqué. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est très très simple. Voyons voir... Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Voilà. Non. Ressources. Merde, quel con. Smart Link Tool. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Ce truc-là, on le met en marche. Ce qui nous donne déjà aux environs de 18 millions d'eau. Donc bon, clairement, c'est assez. Alors bon, je vais vous montrer comment faire si jamais vous n'avez pas de... Comment dire? Si jamais vous n'avez pas ce machin-là, donc c'est pas compliqué, vous allez là-dedans... vous prenez donc dans générateur une water pump, donc une, voilà, une PHX, je crois que c'est elle qui délivre le plus, il me semble, je suis pas certain. Hop, on la fout là dedans, on peut même en mettre. Ah, mais là du coup je la vois pas, c'est un peu con. J'aimerais bien la voir quand même, ce serait possible ou pas, non? Ouais, bon, enfin, on va prendre ça, c'est voyant. Voilà, on en met 4. Donc pour l'énergie, on peut tout aussi bien se prendre un wind generator, ça pose pas de problème. On en met quelques-uns par-ci par-là. Voilà, vous voyez, ça tourne, c'est beau, c'est bien. Hop, donc ensuite avec le Smart Link Tool, on relie tout ça. Ici. Donc là, vous voyez, ça me produit de l'énergie. Et donc, grâce à ça, on peut faire tourner nos pompes. Donc, qui nous produisent de l'eau, hein, bien sûr. Alors là, bien sûr, ça n'en produit pas parce que ce machin-là est déjà plein. Mais
Hop. Si jamais, comme moi, parce que là, moi, je suis en solo, hein, je le rappelle. Si jamais, comme moi, vous n'avez pas de Stargate Freaks Black Hole Cache, vous pouvez utiliser ce système-là. Donc, comme j'ai fait, à savoir avec ça. Et avec ça, ça vous le remplira, certes, beaucoup plus lentement, mais ça vous le remplira tout aussi bien, vous inquiétez pas. Donc, voilà. Donc, voilà. Alors, tout ça, maintenant, je vais le supprimer, parce que ça ne me sert à rien de le garder. Voilà. Ce machin-là. Ce machin-là. Alors, attendez. Non, n'importe quoi. Hop, on le dégage. Voilà, vous avez entendu le petit bruit, signe que ça s'est déconnecté. Voilà, ce truc-là, vous le mettez, admettons, ici. Nickel, il est là, il est joli, il est tout beau, il est tout propre. Ensuite, avec le CAF, vous prenez le Smart Link Tool, vous le linkez à ça. Et donc là, vous voyez, vous avez de l'eau en masse et de l'énergie en masse, ce qui indique que... Non, ça vous consomme de l'eau normalement, mais là ça n'en consomme pas. Je sais pas trop pourquoi ça devrait en consommer pourtant. L'énergie, elle reste constante. L'eau ne descend pas. Je comprends pas pourquoi, c'est censé descendre normalement. Donc voilà, c'est censé descendre. Alors bien sûr, des fois vous serez obligé de revenir faire le plein. Mais sinon, c'est pas. Voilà, c'est pas forcément un gros problème. Hop, voilà, c'est parfait. Donc voilà, mes amis, vous avez votre petite base, totalement invisible. Alors bien sûr, il y a des chances qu'on entende ce truc-là. C'est un peu con, je vous l'accorde. Cela dit, je crois que... Si jamais mes souvenirs sont bons... 1, bouton, ce truc-là. Ici. Hop, et je crois que si jamais on fait le mute ici, si jamais on active le bouton, ça fait toujours du bruit. D'accord, ceci est totalement foireux. Je ne sais pas comment faire pour qu'on n'entende pas ce bruit, à part entrer stop sound dans la console. Alors bien sûr, c'est dans la console. Il n'y a que vous qui ne l'entendez pas, le reste du monde l'entend. Je vous dis, si jamais vous êtes dans l'espace, je sais pas si jamais on l'entend ou pas. Donc voilà, mes amis, on va essayer tout de suite de se téléporter dans l'espace. Donc, à des coordonnées de 0, 0, 0. Alors, téléporteur. Ah bah, ta fille peut continuer à parler, mais jusqu'à là, moi, ça me dérange pas. Hein. Hop, donc ça ici, donc comme vous voyez, target position, ok, ça on s'en tape. Alors attendez, je vais tout de même vérifier que tout est bien soudé, de façon à pas faire de grosses merdes. Hop. Et nous là, Toto, là. Hop. Voilà. Toc. Pouf, pouf. Pouf, pouf. Et pouf, pouf. Ok. Alors, ah, oula, oui, j'ai failli oublier. Ne surtout pas oublier le Gravity Plating. Sinon, bah, vous en aurez pas. Ce qui serait un peu con. Pourquoi ça vibre tout ça? C'était moi qui vibrais sans doute. Vibre d'impatience, mes amis, je vibre d'impatience. Alors, donc ensuite, si jamais on regarde avec. Hop, le Wire Advanced, on voit que. On a Target Pause et que c'est un vecteur. Que c'est un vecteur, donc on prend une constante value. Voilà. Ici, on met vecteur. Donc en vecteur, on met 0.0.0. J'ai dit vecteur, bordel. D'accord, tu ne veux pas, donc on va se prendre 1.1. Ça commence à me gonfler ce truc-là. 1.1. 1.1.
1,1. J'ai dit que c'était un vecteur, bordel de merde. Bon, 4 des vecteurs, je sais pas ce que ça va faire, mais admettons. Voilà, on le met ici. Avec le wire advanced, on fait en sorte que le target pose. Évidemment, ça marche pas. Ceci commence royalement. Ah, oh, fait chier, bordel. Et puis en plus, je me gourre. La constante value. Alors, pour que ce soit un vector, tu vas pas m'emmerder. 1.1.1. Tu me fous ça en vector et mes couilles. Voilà. Oh, constante value. Enable to parse value 1.1.1. Pourquoi je me bats les steaks, que ce soit 1.1.1, et puis c'est tout. Si jamais ça fonctionne, ça fonctionne. Target pose, ici. Vous voyez que la target pose s'est mis à 0, 0, 0, ce qui est parfait, c'est exactement ce que je veux, en fait, depuis tout à l'heure. Voilà, on se met ensuite un petit bouton. Non, c'est pas un bouton qu'il me faut, c'est un numpad. Voilà, hop. Donc, pas en tout gueule, hein, épargnez-vous ça. Clavier numérique, on va mettre la touche 0. Non, pas en tout gueule. J'ai dit pas en tout gueule, voilà. La touche 0, donc, on fait en sorte que tout ceci soit relayé. Le jump, ici. Ensuite, je vous rappelle qu'il faut qu'on se mette en siège. Hein, bah oui, parce que sinon, nous, on reste là, alors que notre base, elle est là-haut, c'est un peu con. Hein, Muscada, qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait, tout à fait. T'en as absolument rien à péter de ce que je dis. Enfin, surtout que je comprends rien, en fait. Bah, c'est surtout ça, le truc. Là, tu comprendras quand tu verras le tuto. T'en fais pas. Hop, donc ça, c'est bon. Donc, bah voilà, c'est bon. Hop, on s'assoit. On appuie sur la touche 0. On est dans l'espace. C'est nickel. On active ce truc-là. Voilà, vous voyez, ça s'est stabilisé à 31 secondes. Donc c'est parfait, ça fonctionne. Si jamais je vais dans le coin, normalement ça fonctionne aussi. Ah non. Ouais, c'est. Le champ est un peu moins grand. Voilà, le champ arrive jusque. Voilà, le champ arrive jusqu'ici. Donc bon, vous avez quand même une assez grande place. Hein. Cela dit, ceci ne fonctionne pas. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Ça générate que dalle ce truc-là. Oh. Fonctionne, bordel. Pourquoi diable ne fonctionne-tu pas, saloperie de tête de mort? Donc, générateur... Hop, si jamais je le mets dans l'espace, ça fonctionne pas. Non, merde, je croyais que ça fonctionnait, moi. C'est un peu con. Alors, bon, solution alternative pour avoir de l'énergie. Pas plus simple, porte des étoiles, E2PZ, et pouf, vous avez de l'énergie en masse. Ne vous inquiétez pas, ça descend très 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 lentement. Ça, pour ça, faut pas vous inquiéter. Et si jamais vous avez besoin, vous en mettez un deuxième. C'est pas un souci, ça non plus, vous inquiétez pas. Donc voilà, voilà, mes amis. Alors, bien sûr, le Air Exchanger, si jamais vous voulez une plus grande surface, ça peut se faire. Voilà, Environmental Control, Air Exchanger, on peut s'en prendre des small. Non. Je me suis trompé, c'est pas ça. C'est ça. Voilà, on peut s'en prendre des small qu'on mettrait ici. Et admettons ici, hein, parce que là-bas, clairement, on n'a pas besoin d'y aller. Hop. Voilà, on relierait ces deux-là avec le Smart Link Tool. À ça. Voilà, donc là, normalement, voilà, vous voyez, quand je saute, j'ai de la gravité grâce au Gravity Plating, je le rappelle. Ensuite. Vous mettez là, et là vous voyez que ça vous stabilise tout ça, sauf que je n'ai pas d'énergie, et donc pour avoir de l'énergie, c'est ces trucs-là. Donc ces trucs-là, on va aussi se les mettre. Donc le CAF, Environmental Control, Small Temperature Exchanger, on va mettre ça ici et là. Smart Link Tool, on va les relier tous les deux. Ici. Et donc ensuite, vous voyez, quand on allume ça, tout se stabilise. C'est parfait. Idem pour là.
Ah, par contre, l'air là ne se stabilise pas. Pourquoi il est éteint celui-là? Voilà. Il est allumé, c'est très bien. C'est parfait, mes amis. Tout se stabilise. Et là, vous pouvez rester à l'infini dans l'espace comme vous voulez. C'est nickel. Alors, vous voyez, j'ai fait la connerie de ne pas mettre de gravity plating là-dessus. Fuck. Hop, on va changer ça tout de suite, vous inquiétez pas. Gravity plating. Donc, hop, là-dessus et donc là-dessus aussi. Ce qui va de soi, hein. Idem que là-dessus, faut pas déconner. Hop, et voilà, c'est parfait. Maintenant, vous avez été la gravité, un peu pâle de. Hop. Don. Voilà, mes amis, vous avez la gravité partout, vous pouvez rester dans l'espace à l'infini. C'est ça qui est bon, comme dirait l'autre. Je manquais de me casser la gueule, par contre. Ah, alors, par contre, oui, il n'y en a pas au milieu. Donc, bon, on va en mettre quand même. Je tiens à faire un tuto digne de ce nom. Hop, non, c'est l'environnemental control, donc... écoutez, vous savez quoi? Hop, on va s'en mettre un large. On va s'en mettre un large aussi. Donc, Smart Link Tool, pof, 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 on va s'allumer les deux. Hop, et voilà mes amis, maintenant, vous pouvez aller n'importe où, vous êtes tranquille. Rien, ni personne ne vous fera chier. Et donc, si jamais l'envie vous en prenait d'aller voir votre système de l'extérieur... Hop, alors attendez, je modifie juste mes touches. Voilà. Si jamais il vous venait l'envie d'aller voir votre système de l'extérieur. Qu'est-ce que... Ouh, mon vaisseau. T'es où? Ok, mon vaisseau n'est pas apparu. C'est un grave problème, ça. D'accord, mon vaisseau refuse d'apparaître. C'est un grave problème. Non, apparemment il n'est pas apparu du tout, ça c'est trop con. Donc, mes amis, on va utiliser la bonne vieille technique dite du kill. Hop, je me suis suicidé, c'est trop bête, comme qui dirait. Hop, voilà, on va là. On se prend un pâté jumper, on va dans le jumper. Voilà, et si jamais vous êtes tué, alors même que vous n'avez pas eu le temps... de, comment dire, bah, voilà, de rester dans votre base ou comme ça, y a pas plus simple, vous y allez. Oh là. Oui, d'accord, il n'a pas de gravity plating celui-là, donc bien évidemment, il tourne sur lui-même à l'infini. C'est très bête, comme qui dirait. Et voilà, il explose dans les joies de l'enfer. Et ben voilà, mes amis, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc voilà, Mélinette62, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si jamais ce tuto te satisfait, hein, clairement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur Gmod. Jusqu'ici, portez-vous bien et à la prochaine. Portez-vous bien, à la prochaine. Voilà. Eh bien, chers amis, j'ai oublié de faire une petite précision quand même, parce qu'une base doit être protégée. Avec les configurations que j'ai faites de l'hologramme, vous pouvez mettre la taille du bouclier sur 1600, et comme vous voyez, votre base est protégée. Ça protège la totalité de votre base, ce qui est parfait. Voilà, j'avais oublié de vous dire ça. Donc, mes amis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur Gmod. Jusqu'ici, portez-vous bien et à la prochaine. Marche bien. Oh, oui.